Voilà, monsieur, bonsoir. Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de deux jeunes adolescents qui, inconscients du danger, s'étaient cachés dans un transformateur EDF. Ils ont été électrocutés. Ils s'y étaient cachés pour éviter un contrôle de police. Étaient-ils poursuivis ? La rumeur se propage immédiatement. Voilà à quoi ressemblait Clichy-sous-Bois hier soir. Des feux de voitures aux quatre coins de la ville, des bâtiments administratifs pris pour cible. Pompiers, bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. Le lendemain, une marche silencieuse rassemble la population autour des parents des deux jeunes victimes. C'est aussi l'occasion d'un appel solennel au calme. Comme on dit, le destin il a été poussé par quelque chose. C'est de la faute peut-être de la police. Allahu a'lam, on ne sait pas. 20h hier soir, scène de panique dans cette mosquée. Une grenade lacrymogène vient d'être lancée pendant la prière du Ramadan. Qui l'a tiré ? Les fidèles qui ont retrouvé les douilles au sol accusent les CRS. Le gouvernement espérait ramener le calme dans les banlieues, il n'en est rien. Les affrontements et les violences urbaines ont touché 5 départements la nuit dernière en région parisienne. 34 personnes ont été interpellées en quelques heures. Rentrez chez vous ! À Aulnay-sous-Bois, les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre un incendie dans cet entrepôt de moquettes et de parquets. Journal de CNN, édition de 17h. La France est toujours à la une. Selon lui, la violence menace même de s'étendre à toute la France. Cette 11e nuit d'émeute a été aussi la plus violente. Il ne s'agit plus uniquement de banlieue. L'ensemble du territoire est concerné. Je vous le disais, c'est en région que les incendies ont été les plus nombreux, notamment du côté de Toulouse, Rennes, Lille et Saint-Étienne. Des policiers frappent à terre un jeune homme qui les a longuement insultés. 8 fonctionnaires sont suspendus, 5 d'entre eux poursuivis par la justice. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Conseil des ministres exceptionnel ce matin. Le gouvernement va se réunir avec un jour d'avance pour réactiver une loi qui date de la guerre d'Algérie, la loi sur l'état d'urgence. Les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu. Donc je pense que ça doit être une mesure exceptionnelle et nous veillerons à ce qu'elle reste exceptionnelle. Quand j'ai entendu certains mots, quand quelqu'un dit on va nettoyer au Karcher, peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit, monsieur Sarkozy. On dit la racaille. Moi, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, que j'allais à l'école, que les mecs ils me disaient ouais, tiens, lui, c'est une racaille parce qu'il habite aux Fougères. Maintenant, je suis pas une racaille. Ceux qui ont caillassé un bus pour mettre à l'hôpital un gosse de 18 mois, quand je dis ce sont des voyous ou des racailles, je persiste. Et je cite. Ces violences urbaines auront duré exactement 3 semaines. 3 semaines qui auront choqué, secoué la France. Rien que pour l'Île-de-France, les dégâts sont estimés à 200 millions d'euros minimum, sans compter les incendies de voitures. Au total, en 20 jours de violence, plus de 9000 véhicules ont brûlé. En 3 semaines, la police a placé en garde à vue près de 3000 personnes. Plus de 500 ont déjà été placées en détention, dont une centaine de mineurs.